encore deux obstacles à franchir. Avec Kalifko qui vient très vite au centre, à l'extérieur, on a Edouard D'Argent, numéro 4, le long de la corde. Flapjack, le numéro 5 qui vient devant notamment le numéro 6, Jedno. Direction dans quelques instants, le dernier obstacle du parcours avec deux chevaux qui se détachent maintenant. Kalifko, numéro 12, qui a le meilleur devant Edouard D'Argent, le numéro 4 qui vient en deuxième position. Le dernier obstacle a été franchi sans problème par les premiers. C'est Kalifko, numéro 12, qui a l'avantage devant Edouard D'Argent qui vient en deuxième position. Troisième place plus loin pour le numéro 2, un comédien. Il reste environ 100 mètres à parcourir. Et c'est Kalifko, le numéro 12, qui va s'imposer dans cette course. La deuxième place pour le 4, Edouard D'Argent. Et la troisième place en retrait pour le 2, un comédien, au dépens du numéro 9, Castle Duberlet. Ligne d'arrivée avec Kendaly qui a toujours l'avantage. Castle Duberlet qui est en deuxième position avec la troisième place qui est occupée par le numéro 7, Asperata. Indiga venant un peu plus loin précédant le numéro 1, Kazarov. Alors que le numéro 9, Lady of Gold, tente de revenir. Il se dirige maintenant vers la dernière haie du parcours. Et c'est le 2, Castle Duberlet, qui a pris l'ascendant, semble-t-il, sur le 3, Kendaly. Ouais, pour sauter le dernier obstacle avec donc le 2, Castle Duberlet, qui a le meilleur devant le numéro 3, Kendaly, qui est pour l'instant en deuxième position le long de la corde. On voit la favorite Indiga qui commence maintenant à refaire un petit peu de terrain, environ 150 mètres à parcourir. Et c'est le numéro 2, Castle Duberlet, qui a pris facilement l'avantage dans cette course. Castle Duberlet, le numéro 2, qui s'impose avec la manière. La deuxième place à distance, tout à la fin, pour le numéro 6. Castle Duberlet, le numéro 3, qui seul en tête franchit l'avant-dernière difficulté. Liberator, le numéro 2, qui essaie de se rapprocher maintenant. Asperata également, ou encore le numéro 8, Indiga, qui vient encore notamment avec le numéro 10, Golden Love. Mais Castle Duberlet qui maintenant s'annonce sur la dernière haie. Castle Duberlet, le numéro 3, avec Mathieu Carou, qui franchit en tête la dernière haie. Asperata est à distance, luttant maintenant pour les accessites, notamment avec le numéro 10, Golden Love, qui enclenche avec Antonio Le Cordier et qui refait maintenant pas mal de terrain. Castle Duberlet, Golden Love et Asperata dans cet ordre. Castle Duberlet, le numéro 3, qui sera le lauréat du Grand Steeple 16 et 3 ans d'Anguin.